Syracuse en éole, quand le soleil se couche, à Gouin Varmour, quand la mer enfle, et Warcona Wardreuse me dor, je chante sur le seuil de ma porte. Pawan Yawank me agani. Jeune, je chantais. Pason de cause me gani ve. Devenu vieux, je chante encore. Me gani day, me gani nos. Je chante le jour et je chante la nuit. Il était une fois Elias et Théodore qui s'étaient frayés un chemin pour aller écouter ces merveilles et rencontrer les conteurs chanteurs. C'est comme ça qu'on sait que Pierre Michelet, qu'on appelait Pierre Braze, c'était pas son nom, c'était pas Pierre le Grand, c'était le Grand Pierre, Pierre Braze de Trémalo, qui lui avait chanté les séries. Et c'est Catelroit de Kéraguissul, à Nison, qui lui a chanté l'histoire vraie de Génovéfa de Rustéphan. Bossène et Lian, la peste des Liens. La peste est connue pour avoir ravagé la Bretagne au 15e, 16e, 17e siècle. Redoué, béni, jayar, parka, redoué, béni, jayar, parka. Redoué, béni, jayar, parka. Ave, dintera, horva. Et c'est ainsi qu'il a composé, à partir de ce qu'il avait entendu, le Kalevala. Le prologue du Kalevala commence par une longue mise en condition de l'auditoire. Ouvrirai-je maintenant le coffre à mots? Déferai-je le fil des histoires? Déferai-je le nœud de la pelote du conte? Que se déballent les merveilles. Au kaisen sanaisen arkun virsilipahan viritan keritelen pan keralta suorin solmun sommelolta. Väinämöinen, s'aidant de ses membres désormais puissants et déliés, s'est redressé sur une terre qui ne portait encore aucun arbre, qui n'avait pas encore de nom. Väinämöinen, fils d'Ilmatar et des éléments, s'est mis debout, a contemplé le soleil, la lune et a salué la grande ours. Suvehen, suvehen, oksat puolin pohjoisen.
un jour, en se promenant sur le rivage, Väinämöinen a trouvé 6 petites graines. 6 petites graines qu'avec précaution, il a mis dans une petite boîte d'os. 7 petites graines qu'il a mis dans une petite boîte d'os, qu'il a emballé dans un petit ballot de fourrure de martre. Il allait mettre ça dans sa poche, quand tout à coup, il a pensé à Sampsa. Sampsa Pellervoinen. Et il s'est dit que lui aussi, peut-être, il pourrait semer. Il a ressorti de sa poche le ballot de fourrure, allait en sortir la petite boîte d'os, quand une mésange a chanté. Une mésange qui disait « Ça ne poussera pas. Il faut abattre les arbres dans la clairière. Il faut tout brûler. Après, ça poussera. » Väinämöinen a remballé la petite boîte d'os, l'a remise dans sa poche, et il a commencé à se fabriquer une hache de bronze. Avec cette hache, il a commencé à abattre les arbres, mais il a laissé au centre de la clairière un beau bouleau argenté, seul, pour que s'y pose la mésange, si bonne conseillère, et le coucou. Mais c'est un aigle qu'il a vu descendre du ciel, un aigle qui a demandé « Mais que fait ce beau bouleau seul au milieu de la clairière ?» Väinämöinen a invité l'aigle à s'y poser. L'aigle s'est posé et de son souffle a enflammé tous les arbres qui jonchaient le sol de la clairière. Kristina Kuusisto. À la voix, ma fille Katel, qui avait 10 ans quand j'ai commencé à apprendre la chanson qu'on vient de faire ce soir. Tie vie tänne, tie vie kahta halle, tie vie kahta halle, tie vie kahta halle.